les fans des années 70. Alors aujourd'hui, un morceau de Bowie, j'espère que vous avez reconnu, Ziggy Stardust. Un morceau qui va se découper en plusieurs parties, avec un riff d'intro qui va revenir plus loin dans le morceau. On peut dire qu'il y a une partie A, une partie B sur ce morceau, éventuellement on peut appeler même couplet et refrain si on est des fous. Et ben on commence, on va sectionner comme ça, on s'apprend d'abord l'intro, les accords de l'intro. Une fois que c'est dans la boîte, on s'apprend la partie des couplets, la partie A, puis la partie B. Alors pour notre intro, on a besoin d'un sol. Un sol 4 doigts. Qu'on arpège et qu'on strumme. On a besoin d'un ré. Et un ré sus 4, donc je rajoute le petit doigt. Et basiquement, on aura notre enchaînement ré, ré sus 4, voilà, assez rapide. On aura un Do ad 9, donc en fait c'est un Do qui se joue comme un Sol finalement. On a le Sol, on a juste à descendre ses deux doigts. Derrière ça on a un Sol basse Si. Donc en fait c'est pareil, là on va garder vraiment les deux aigus comme ça. Et on n'a plus qu'à venir rajouter l'index en case 2. D'accord. Derrière ça, on a un La7 sus 4. Donc on vient prendre la corde de La à vide. Et index qui vient corde de Ré en case 2. Mais on garde à chaque fois toujours les deux mêmes aigus. La7 sus 4. Et ça revient au Sol. Alors, pour la grille. Alors, dans l'intro, on a plus un riff que voilà qu'une suite d'accords. Ça rejoint un petit peu, mais on va essayer de trouver le placement, d'accord, dans un premier temps, et on va peut-être travailler la rythmique en même temps. On a donc notre sol qui va être l'équivalent d'une noire, mais 1, 2, on essaye de venir le bloquer, c'est-à-dire check, et on passe au ré, où on vient faire des croches, tagadagadam. Avec Ré, Ré sus 4, Ré, Ré sus 4, mais on essaye de faire ça très vite. D'accord. 1, 2 et 3. D'accord. C'est une série de double croches. 1, 2, 3, 4. Et on revient sur le Ré. J'ai donc. D'accord. Et après, j'ai donc toute ma série donc, de Do. Sol basse Si, la 7 sus 4 et je reviens sur le Sol. Alors ce qui est pas mal c'est d'entendre la ligne de basse qui Do, Si, La et ça repart Sol. D'accord. Et en fait j'ai ces trois accords à la suite. Do, Sol basse Si, la 7 sus 4, Sol. On essaye après de le placer en rythme. Une sorte de, c'est pas évident à dire, mais noir pointé, noir pointé, noir, et je reprends à chaque comment dire, c'est si je compte, j'ai 1, 2 et 3, 4, d'accord, donc le Do sur le temps 1, le Sol bassi sur le et du 2, le La7 sur 4 sur le temps 4, d'accord, donc je vais essayer de faire l'ensemble doucement. Un temps pour le Sol et une sorte de petit break derrière. D'accord, mon Ré en. Après, j'ai la suite qui va être comme ça. 1, 2 et 3, 4, 1. Et je reprends. D'accord, donc. 1, 2, 3, 4 et 1, 2 et 3, 4, 1. Une fois qu'on a le placement, on pourra sentir un petit peu une petite rythmique à l'intérieur pour meubler. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est du feeling, ça se trouve, voilà, ça se sent, d'accord. On trouve d'abord le placement global,
à l'oreille, hein, faut écouter le morceau, clairement, on l'écoute, on a le riff dans la tête, ça ressortira. Dans le couplet, on retrouve notre sol, 4 doigts. On a derrière un accord en barré, un si mineur. Donc on a l'index en barré, case 2, d'accord. Et on regarde le diagramme, on arpège, on strum. On enchaîne avec un do. Un ré. On a déjà vu. Après, on revient sur notre sol. On ira à un mi mineur. Et derrière, on a un la. Ce coup-ci, un la majeur. Qu'on va faire. Alors, ça marche avec un la classique, d'accord, mais je vous conseillerais, pour avoir un esprit bien rock'n'roll, de jouer ça en barré avec l'index. 0, 2, 2, 2, et si possible, on bloque le mi-aigu. Et après, ça revient sur un do. Donc je vais avoir une rythmique on peut commencer encore bloqué, hein, pareil, on se rappelle de toutes les techniques pour choper une rythmique par le geste, c'est peut-être le plus simple au début mais pas le plus précis. Si je compte, donc là on est dans un débit de double croche, il faut sentir qu'on a 4 coups par temps, ma main ne s'arrête jamais de faire ça. Donc la première fois j'ai un coup seulement, qui donc je vais dire 1. Le deuxième temps, alors, je vais avoir 1, 3, 4 sur le deuxième temps. 1, 3, 4. Le troisième temps, je vais avoir chute 2, 3. Donc, chute, ça veut dire que, pareil, on pense au débit, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, je prends pas le 1, donc ça veut dire que je descends mais sans jouer, je prends 2 en montant et 3 vers le bas. Chute, 2, 3, et le troisième temps, c'est le même que le deuxième, 1, 3, 4. Donc si je mets tout ça à la suite, ça me donne 1, 3, 4, chute, 2, 3, 3, enfin pardon, 1, 3, 4 sur le dernier, je reprends une fois. 1, 1, 3, 4, chute, 2, 3, 1, 3, 4. Cette histoire de compter comme ça, ça vous permet vraiment de capter le truc précisément. C'est pas évident au début, mais décomposez bien comme ça cette histoire de 1, 2, 3, 4, et après on décide ce qu'on prend parmi ce truc de 1, 2, 3, 4. D'accord ? Et ça, ça nous fera une bonne base pour avoir le morceau. On peut soit le penser par le solfège quand on sait le lire, d'accord, la formule de solfège, soit ba 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 o ou ba 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 o, soit on compte 1 1 3 4 chute 2 3 1 3 4 et c'est dans la boîte. Parfois on peut sentir la rythmique aussi sans avoir tout ça, très bien, si vous le sentez et que vous voyez que c'est précisément ça, parfait. Par contre, si vous sentez que c'est de l'à peu près, je vous conseille sincèrement de venir décortiquer tous ces schémas rythmiques que vous voyez là qui s'affichent pour les comprendre. Et c'est vraiment ce qui vous permettra d'avoir la rythmique exacte. Une fois qu'on l'a, la loi des variantes. Pour que ces variantes aient de l'impact, il faut qu'on ait quand même quelque chose de rigoureux qui revient à une rythmique. Ça doit être quelque chose, voilà, qui est similaire. Si ça part en vrille tout le temps, c'est pas bon. D'accord ? Donc, en ce qui concerne le refrain, on va avoir deux options. De jouer un la mineur. Un sol, un
un Fa, donc Fa barré. Alors là, on va avoir une petite particularité sur le Fa, c'est bien de venir enlever l'index et le remettre pour avoir cet effet. On verra un petit peu plus loin. D'accord ? On a en plus de ça un Ré et un Mi. Alors, je disais deux options parce qu'on peut effectivement jouer de cette manière avec des accords verts. Il y a un truc qui est pas con non plus, c'est de tout prendre en barré. On a le Fa, on a le Sol et le La qui sera en case du coup 5, barré case 5. Alors l'avantage quand on fait ça, c'est que c'est... Bon, bien sûr, il faut savoir faire les barrés pour ça, mais ça permet de décaler peut-être assez facilement à la fin du Fa. Ça marche bien pour repartir sur le La mineur. Donc, trois positions de barré, La mineur en barré, case 5, Sol en barré case 3, Fa barré case 1. Et après, on récupérera notre Ré et le Mi. Pareil. Donc sur mon refrain, je vais avoir ça. Basiquement, j'ai des séries de doubles avec des espèces de breaks. Bas, haut, bas, haut, bas. Avec des petites ghost notes entre les accords. Que je sois en barré ou en accord ouvert, c'est le même principe. Hein. Bas, haut, bas, haut, bas. Donc on va partir sur cette base, bas haut, bas haut, bas, bas haut, et c'est ça qu'on va répéter sur le La mineur, bas haut, bas haut, bas, bas haut, sur le Sol, bas haut, bas haut, bas, bas haut, les bas hauts encore bloqués, c'est ma transition, et sur le Fa je fais du downstroke, tout vers le bas, 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 d'accord, et après on n'oublie pas qu'on revient, on repasse par le Sol en fait. Décomposer un petit peu, hein, mais pareil, vous avez la formule qui s'affiche quand vous avez compris l'idée. D'accord, 4 doubles, croche, 2 doubles. Si je compte, j'ai 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1. Ok. On va essayer de se récapituler tout ça. On s'enchaîne le riff une fois, donc la partie couplet, la partie A, la partie refrain, partie B. Et quand vous avez tout ça, vous avez tout le morceau. Il ne vous reste plus qu'à aller l'écouter pour voir comment ça se passe exactement. Je vous ferai un de ces quatre, mais spécialement pour mes abonnés sur mon site, un deuxième tuto où on verra à l'intérieur toutes les secondes guitares qu'on peut mettre, parce qu'on a pas mal de possibilités là-dessus. Mais ce sera pour plus tard et ce sera sur mon accès membre sur mon site internet. Alors c'est parti. Notre riff. Jouer 4 fois, d'accord. On enchaîne sur le couplet, donc qui va être comme ça. On y va, c'est parti. 3, 4, Sol, Si mineur, Do, Ré. Deuxième partie, Sol. Une suite de 8 mesures, hein. Sol, première mesure, deuxième mesure Si mineur, troisième mesure Do, quatrième mesure Ré, cinquième mesure Sol,
sixième mesure mi mineur, septième mesure la et huitième mesure do. On enchaîne sur le refrain. La mineur, sol, fa, sol, la mineur. Je vais avoir ça trois fois. Quatrième fois, je passe à Ré, Mi, et je reprends mon rythme. D'accord ? Donc on a trois passages de La mineur, Sol, Fa, et chaque fois qu'on retourne au La mineur, on repasse par le Sol. J'ai dû vous faire une petite erreur parce que le moment où on passe à Ré, on a le Fa. Sans passer par le sol. Et ben voilà, hein, avec tout ça, vous devriez pouvoir faire votre bricolage, d'accord ? On enchaîne systématiquement, 4 riffs pour l'intro, et après on a notre partie A qui doit revenir deux fois, refrain, et après la partie A, ce coup-ci qui revient qu'une fois, enfin à chaque fois il y a le riff qui vient s'intercaler entre partie A, partie B, riff, partie A, partie B, riff. Ben voilà, à plus !